Donc, je m'appelle Yann Jondeau, je suis ambassadeur d'accessibilité auprès du gouvernement. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur les bords du canal, on a fait le halage, on est parti pour 20 km aujourd'hui. Hier, on a déjà fait 20 km et on va encore en faire 20 demain. L'idée, c'est que cette balade-là, c'est vraiment une balade, je dirais, de solidarité. En fait, on a vraiment voulu parler, à l'arrivée de la flamme olympique, de la flamme de vie que ça représente, tous les partenaires, toutes les structures, toutes les familles, mais aussi toutes les personnes en situation de handicap qui, tous les jours, ont cette compétition de vie. Cette idée de marche solidaire, de défi pour certains, mais surtout de plaisir pour nous, hein, c'est de pouvoir rencontrer des partenaires comme toi. L'idée de mettre en valeur notre patrimoine, notre nature, notre faune, notre flore, c'était vraiment un support important pour la Bretagne. Et quand je suis au comité, hein, aujourd'hui, et je sais tout ce que vous faites dans l'année, et c'était vraiment important aussi pour nous de montrer, ben voilà, on n'a pas attendu la flamme, on est content qu'elle arrive, ça va être un booster, mais tout ce que vous faites, ben, je voulais vraiment vous remercier parce que vous nous accompagnez partout et tout le temps. Favoriser l'inclusion aussi, parce qu'on ne doit pas avoir d'un côté le handicap et le valide, on évolue tous ensemble. Si j'avais vraiment le mot à dire aujourd'hui à travers le SDOS, à travers le tourisme Bretagne Handicap, à travers les canaux de Bretagne, c'est vraiment le sourire. Et on le trouve partout ici, le bonjour et le sourire. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Si on pouvait le partager avec tout le monde, je crois qu'on aurait vraiment une belle richesse à partager.